Très heureux de vous retrouver une fois de plus. Bienvenue dans cette édition de formation de Nyata TV et voici les titres. Un conteneur de dattos a été offert aux musulmans par l'association malienne pour la rupture du jeûne d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de Koulouba. Le point sur l'ordre du jour dans ce journal. La RDC a lancé la vaccination contre Ebola après la mort de 2 personnes. Comme annoncé dans les titres, l'association malienne pour la rupture du jeûne a offert aux musulmans un conteneur de dattos. Ces dattos provenant de l'Arabie Saoudite d'un montant de 45 millions de francs CFA ont été distribués à plus de 21 000 personnes. La cérémonie de distribution a eu lieu ce jeudi matin 28 avril à Yirmayo à Tétébou en présence du représentant du ministre des Actions humanitaires et des réfugiés. Reportage signé Abdou Ouattara et Moussa Diallo. C'est jeudi matin vers 11h, l'association malienne pour la rupture des jeûnes a distribué plus de 20 tonnes de dattes aux musulmans. Plus de 21 000 personnes ont bénéficié de ces dons d'une valeur de 45 millions. Et l'association malienne pour la rupture des jeûnes a distribué des dattes provenant de l'Arabie Saoudite. Et puisque nous avons des partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali, donc on les a démarchés, on les a contactés pour pouvoir nous donner une quantité de dattes afin de distribuer ça aux couches vulnérables, aux déplacés, aux réfugiés, aux pauvres, aux nécessités. Et cela, c'était la première fois où nous importons une telle quantité de dattes à l'intérieur du Mali. Et le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce don, on peut évaluer ça comme 21 000 personnes bénéficiaires. Et puis la quantité, vraiment, elle était énorme. On n'a pas pu décompter tous les cartons qui étaient déchargés, mais on n'a pas venu à estimer un chiffre qui est peut-être 2000 cartons, environ 2000 cartons. Chaque carton contient à peu près 8 kilos. Donc c'est ça. Les actions humanitaires de cette association sont multiples. Dans les mois de Ramadan, chaque jour, elle organise une rupture collective des jeûnes dont 200 personnes bénéficient. Nous, notre travail est consacré uniquement pour le mois de Carême. On a fait de ça un objet. Et on ne veut pas se disperser par-ci, par-là. On a juste un objectif, c'est d'aider les Maliens à accomplir leurs obligations religieuses de manière adéquate. Et cela se manifeste par le don de produits alimentaires. En dehors des dates, chaque jour, nous organisons des ruptures de jeûne dans les différentes mosquées de Bamako. Il y a minimum chaque jour 200 personnes qui vont manger gratuitement dans les mosquées à travers les actions de l'association malienne pour la rupture du jeûne. Le représentant du ministre des Actions humanitaires a félicité les acteurs de cette association. Il a invité tous les fils du Mali à entreprendre ces actions de bonne volonté. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction. Et surtout si on imagine que c'est des jeunes qui sont nés en Arabie Saoudite et qui ont accepté, après les études, de regagner le Mali et se mettre en groupe, en association, pour essayer d'apporter des aides pour leurs confrères maliens. Je pense quand même que je ne peux que me réjouir et de dire aux autres compatriotes, aux autres jeunes qui sont dans les autres pays, qui sont nés là-bas, de les dire qu'ils sont tous des Maliens et ils ont leur place au Mali. Donc, qu'ils se donnent la main et qu'ils acceptent de revenir
au Mali pour aider leurs frères à développer le Mali. Pour permettre aux musulmans de faire une bonne rupture des jeûnes, rien n'est de trop. C'est pourquoi l'association malienne pour la rupture des jeûnes s'est engagée pour soutenir les musulmans au mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, c'est que le sens étymologique même de la donation pour vraiment permettre aux musulmans vraiment de faire un bon rituel. C'est ça l'initiative et c'est ça qui a salué honnêtement. Parce que les jeunes, ce que nous avons compris avec eux, la plupart, la quasi-totalité d'entre eux, ils ont étudié, il y en a qui ont été et qui sont même nés en Arabie Saoudite. Donc, ils connaissent les rouages, les coins de l'Arabie Saoudite. Donc, ça peut être vraiment une bonne source d'investissement pour les Maliens, pour les Maliens et dans le futur. C'est ça vraiment l'important chez nous. Les bénéficiaires ont exprimé leurs sentiments de joie et de reconnaissance. Nous sommes très contents et nous sommes fiers de ces jeunes-là qui sont les membres de l'association malienne pour la rupture. Vraiment, leur don, ça va au cœur. On est contents, on est très fiers d'eux. Même si c'est arrivé presque vers la fin de Ramadan, mais alhamdoulilah, les deux jours restants et puis il y a les six jours du jeûne surrogatoire au Shawwal, c'est que sur que Inch'Allah Ta'ala, les bénéficiaires dans nos mosquées, surtout chez moi, alhamdoulilah, nous allons les bénéficier comme il faut, Inch'Allah Ta'ala. Le mois de Ramadan est un mois de partage. Multiplions les bonnes actions pour bénéficier du pardon d'Allah. Le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga a présidé une réunion du cadre politique de gestion de la crise du centre. Cette réunion à laquelle ont participé tous les départements impliqués porte sur le document de stratégie de stabilisation du centre. Avec plusieurs axes, le document de stratégie évalué à 392 milliards de francs CFA sur 3 ans vise à faire du centre une zone stable et prospère. Suivons les commentaires. Le budget global du plan d'action du cadre politique de gestion de la crise du centre s'élève à environ 392,2 milliards de francs CFA sur lesquels 132,7 milliards sont déjà acquis. Le reste du financement est à rechercher. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du CPGCC présidée lundi dernier à la primature par le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga. Cette rencontre qui a porté sur la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024 s'est tenu en présence de plusieurs membres du gouvernement, des officiers généraux de l'armée et d'autres personnalités. La réunion est intervenue suite à l'atelier national de validation technique de la stratégie qui a réuni toutes les parties prenantes. Elle visait à apporter les dernières contributions utiles à la validation du document. Le texte de la stratégie et le plan d'action qui sont soumis à votre appréciation permettront d'honorer notre redevabilité vis-à-vis de nos populations des régions du centre de notre pays afin d'amorcer de façon cohérente et inclusive des véritables processus de stabilisation du centre, a déclaré le Premier ministre. Dans le fond, le document procède d'un minutieux travail de documentation, notamment en ce qui concerne la dynamique qui a prévu au partage de grandes orientations à la collecte et au traitement des données. Pour Dr. Choguel Kokala Maïga, le retour de la paix est essentiel pour les autorités de transition. Selon lui, la stratégie de stabilisation ne portera ses fruits que si elle permettrait de tenir au courant en termes de coordination de l'ensemble des efforts déployés au centre aussi bien par l'État et les organisations de la société civile que les partenaires techniques et financiers. Le chef du gouvernement a par ailleurs attiré l'attention sur l'accès des populations aux services sociaux de base comme l'eau, la santé et l'éducation. À la matière forte de notre souveraineté recouvrée, nous devons avoir comme credo dans notre politique de stabilisation du centre, sécuriser les populations et leurs biens, promouvoir le développement, a souligné Dr. Choguel Kokala Maïga. D'après le chef de l'administration, les régions du centre ne pourront se développer sans être en cohérence avec le reste du pays, d'où l'attention particulière des autorités, selon lui, sur les cadres stratégiques pour la relance économique et le développement durable qui reste leur boussole. Dr. Choguel Kokala Maïga a exhorté le secrétariat permanent du cadre à être très attentif aux propositions qui seront faites pour que la stratégie de stabilisation
l'association des régions du centre soit une réalité palpable qui changera fondamentalement les conditions de vie des populations. Il est à préciser que les régions du centre sont celles de Sékou, Mopti, San, Bandiagara et Douanza. Avant de s'envoler pour le Brésil où ils doivent prendre part à la Coupe du Monde, l'équipe nationale de football sur malentendant a reçu les encouragements du Premier ministre au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qualifié pour la phase finale de la compétition mondiale de leur catégorie. Les aigles sur malentendant défendront les couleurs nationales au Brésil. Toute la nation vous soutient, a rassuré le chef du gouvernement. Docteur Shogel Kokala Maïga a rappelé les efforts consentis par l'État malgré la situation particulièrement difficile afin de réunir le minimum de conditions pour leur participation. Conscient que l'enjeu est de taille, ils ont promis de venir avec la coupe. Ils ont remis avant de partir le maillot à Assimi Goïta et un ballon pour le président de la transition et un maillot au Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 27 avril 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 20-17-0767-PRM du 7 septembre 2017, déterminant les produits assujettis à la redevance radio-TV et les modes d'indexation et de recouvrement. La restriction du service au public de l'audiovisuel entamée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique a abouti à la séparation des missions d'édition et de diffusion en confiant les missions d'édition à l'Office de radio et télévision du Mali. Le gouvernement a adopté le décret numéro 20-17-0767-PRM du 7 septembre 2017 déterminant les produits assujettis à la redevance radio-TV et les modes d'indexation et de recouvrement pour permettre à l'Office de radio et télévision du Mali de disposer de moyens matériels et financiers adéquats afin de jouer pleinement son rôle de service au public dans un contexte d'ouverture du paysage audiovisuel. Face aux difficultés rencontrées par les structures chargées du recouvrement de cette redevance, il est apparu nécessaire de modifier le décret du 7 septembre 2017 pour corriger les insuffisances constaté. L'adoption du présent projet de décret permettra à l'Office de radio et télévision du Mali de disposer de ressources adéquates pour faire face de façon efficiente et efficace à sa mission de service au public. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national pour faire face au phénomène de pillage systématique des sites archéologique et au trafic illicite des biens culturels, le Mali a adopté la loi numéro 85-040/ANRM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. Cependant, la loi de 1985 n'incrimine pas toutes les infractions prévues par la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le présent projet de loi est adopté pour mieux préserver le patrimoine culturel à travers le renforcement de la protection et la catégorisation des infractions d'atteinte au patrimoine culturel, l'aggravation des peines applicables aux infractions d'atteinte au patrimoine culturel, la prise en compte des dispositions du deuxième protocole de 1999 relative à la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Environnement,
département de l'assainissement et du développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au rapport sur l'état de l'environnement au Mali, édition 2020. Le rapport sur l'état de l'environnement rassemble à partir d'évaluations environnementales périodiques des informations multisectorielles nécessaires au processus de décision et d'action nationale. Le présent rapport élaboré suivant une démarche participative couvre la période 2018-2019-2020. Il soulève les problématiques environnementales et relatives à la dynamique démographique et à l'exercice des activités génératrices de croissance économique telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la production énergétique, l'industrie, les mines, les transports et l'artisanat. Concernant les ressources en eau, le rapport fait ressortir qu'elles subissent d'importantes dégradations dues à des activités comme les transports fluviaux, l'industrie, l'extraction de l'or et des matériaux de construction. Plusieurs initiatives sont en cours ou en perspective pour réduire les pressions sur les ressources en eau. En milieu urbain, le rapport souligne aussi les défis environnementaux liés à la gestion des déchets solides. En effet, la quantité de déchets solides reçus au niveau des décharges du district de Bamako et de la région de Sigasso sont passées de 6266 mètres cubes en 2018 à 1061405 mètres cubes en 2020. Il fait état de la gestion des déchets liquides qui est confrontée à plusieurs difficultés, au nombre desquelles figure l'insuffisance du réseau de drainage et de stations de traitement des eaux usées et le sous-équipement des ménages en disposition de collecte. Les mesures préconisées par le rapport constituent des créneaux pour bâtir de grands chantiers environnementaux, notamment la transition énergétique, la réhabilitation des forêts et la faune, l'amélioration des systèmes agricoles, pastoraux et halieutiques, la réduction des pollutions et nuisances. L'information et l'éducation environnementale et le financement conséquent durable de l'environnement. Sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la réintégration de l'alphabétisation dans tous les projets sectoriels au profit du monde rural. Le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération fait ressortir une sorte tendance à la baisse des indicateurs de performance du sous-secteur de l'alphabétisation. En effet, c'est grâce à l'alphabétisation que plusieurs opérations de développement ont enregistré des résultats très importants, notamment la confection de fascicules et de livrets en langue nationale dans plusieurs domaines comme l'agriculture, la santé, l'élevage qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes évoluant dans ces secteurs. La réintégration du volet alphabétisation fonctionnelle dans tous les programmes de développement au profit du monde rural permettra la prise en charge de jeunes non scolarisés et déscolarisés, mais également les adultes non alphabétisés dans les formes alternatives d'apprentissage qui leur garantissent les compétences nécessaires à une meilleure insertion sociale et professionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle cependant la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.